Bonjour à tous. Voilà, je vais faire cette vidéo pour vous parler de YouTube. Surtout au niveau des insultes. Voilà, moi je regarde des vidéos et j'aime bien regarder en dessous, il y a des commentaires. Et là, quand je vois des gens qui insultent d'autres personnes, que la personne a dit qu'elle pensait de la vidéo. Mais c'est vraiment méchant. Vous imaginez pas de traiter des gens de vieilles salopes, vieilles putes, tu ne penses qu'au sexe, qu'est-ce que tu fais sur YouTube, tu n'as rien à faire là, t'es une vieille mémé, et j'en passe. Non, n'importe quoi. Et là, ce que je voudrais dire, c'est que c'est particulièrement des jeunes qui font ça, qui insultent des personnes d'un âge. C'est pour ça que je pousse ma petite gueulante, que je fais cette vidéo. Car il faut que je dise aux gens qui insultent, parce que je pense qu'il y en a qui vont regarder. Mes vidéos sont publiques, donc il y en a sûrement qui vont regarder ma vidéo. Et bien, je vous dis, arrêtez justement d'insulter les gens. C'est vraiment n'importe quoi. Vous savez que ça peut aller très loin ce que vous faites. De harceler, il y en a qui sont harcelés, ça peut être jusqu'à le suicide de la personne. Alors voilà, stoppez ça. Le respect, vous connaissez le respect envers les gens? Vos parents vous ont appris le respect? Ou bien que la personne elle-même est comme ça, qu'elle s'en fout complètement. Et là, moi, ça me révolte de voir ça. Moi, j'aimerais pas que mes petites filles, parce que moi, j'ai une fille qui est grande, voilà. Mais pour mes petites filles, je ne voudrais pas que ça arrive, qu'elles traitent les gens de tous les noms. Non, et je pense que ses parents ne seraient pas d'accord. Alors pour ceux qui sont insultés, harcelés, les jeunes, je parle là aux jeunes, écoutez, dites-le à vos parents. Vos parents feront le nécessaire. Et si ça suffit pas, ils iront porter plainte. Il faut que ça s'arrête. Franchement, là, ça va trop loin. Pas plaire à certaines personnes, ils vont trouver ridicule ma vidéo. Mais écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!